Tenu en échec à Dijon lors de la dernière journée, Bastia fait partie des trois équipes avec 52 points et occupe la 6e place à 7 longueurs du 2e. Les Corses reçoivent une formation amiénoise 14e qui a vu fondre son avance sur la relégation au sortir de 5 défaites sur les 6 derniers matchs. Et les Picards comptent seulement 6 points d'avance sur le premier relégable. Première situation notable de la rencontre, elle est à mettre à l'actif des Corses avec cette frappe du capitaine Christophe Vincent qui sollicite Régis Grottner. La frappe est flottante. Pas de prise de risque pour Gürtner qui boxe. Le gardien Picard sollicité en ce début de rencontre. Il ne pourra rien faire sur l'ouverture du score à la demi-heure de Kevin Schur qui d'un crochet élimine le gardien amiénois et marque son premier but de la saison. La formation de Régis Brouard valide sa domination. Kevin Schur alerté dans la profondeur par Kylian Kiboué. La lucidité et le sang-froid dans la finition pour Schur. Amiens reste sur deux défaites consécutives et va égaliser à la 36e. Youssouf Assogba, le défenseur béninois, marque son premier but de la saison et égalise. Amiens a bien réagi suite à l'ouverture du score de Schur. 6 minutes plus tard, les voilà remis à flot. Amiens va tout faire pour ne pas s'incliner, subir une troisième défaite consécutive, surtout au regard du calendrier qui attend les joueurs de Patrice Descamps. Sochaux, déplacement à Dijon et réception de Caen. Un partout, c'est le score à la pause. Bastia va pousser pour de nouveau faire un bon résultat à Furiani avec cette tête sur laquelle Régis Gürtner se jette. Alors ce n'était peut-être pas cadré, mais en tout cas c'était un point chaud avec des Bastiais à la potentielle réception de ce ballon redressé. Dans cette deuxième mi-temps, les Amiénois sont en mode résistance et Régis Gürtner est le dernier rempart pour l'instant infranchissable. Le coup de tête de Vandenkerkhoff qui pensait donner l'avantage à son équipe, mais Régis Gürtner sort une improbable parade main opposée. Un but partout, score final. Bastia 4e est à 9 longueurs de la 2e place. Ça va être compliqué pour accrocher la Ligue 1 Uber Eats. Amiens 13e prend un point qui pourrait s'avérer important pour le maintien.